Bonsoir, c'est toujours un réel honneur de vous présenter pour une quinzaine de minutes les informations concoctées par la rédaction de TV Plus Madagascar. Voici donc les titres de ce jeudi 22 décembre 2022. Inédit, le devant et la cour du palais d'État d'Ambutsrou Chantannahin, totalement illuminé, est en plein dans l'ambiance de Noël. Le président de la République, Andry Duil, a permis au public, depuis hier soir, l'accès à la cour du palais. Toutes les forces de défense et de sécurité défendent la constitution, la souveraineté et le choix du peuple, donc elles soutiennent toutes les institutions de la République, dont Andry Duil, le président élu par le peuple, a déclaré ce jour le général de corps d'armée Richard Koutnirin, le ministre de la Défense nationale, en présence de ses homologues, le ministre de la Sécurité publique et le secrétaire d'État en charge de la Gendarmerie nationale à Ivat. Les vacances de Noël et du Nouvel An pour cette année scolaire 2022-2023 débuteront le 24 décembre prochain et s'étaleront jusqu'au 8 janvier 2023. Les examens de cette semaine ont donc clôturé le deuxième bimestre de l'année scolaire. Et à l'étranger, les habitants de Kiev et sa région souffre de coupures de courant provoquées par les frappes russes. Il manque d'électricité et de chauffage alors que les températures sont négatives. Inédit, le devant et la cour du palais d'État d'Ambutsrouach et Antananarivo. Totalement illuminé, est en plein dans l'ambiance de Noël. Le président de la République, Andry Duil, a permis au public depuis hier soir l'accès à la cour du palais. Les illuminations du palais, de véritables joyaux, sont devenues une attraction pour la foule qui a investi les lieux en quelques heures. Le chef de l'État a consacré presque toute la nuit, après la tenue du Conseil des ministres, à accueillir avec des cadeaux et du chocolat les premiers chanceux arrivés sur place hier soir. Reportage de Ftia Van Adoni sur les images d'Yves Rassata. Le palais d'État d'Ambutsrouach a brillé de mille feux hier, après que le président de la République, Andry Duil, ait actionné le bouton de mise en marche des illuminations vers 19h30. Tous les ingrédients sont désormais réunis pour un Noël féerique. La présidence a même mis en place le traîneau doré et le Père Noël pour rendre parfait le moment. En effet, depuis que le régime Andry Duil est en place, Antananarivo et ses environs décorés d'illuminations sont devenus le lieu de rendez-vous des Antananariviens à la tombée du jour en cette période de la fête de la Nativité. Cette année, le président Andry Duil a voulu rendre la célébration de Noël encore plus spectaculaire. Il a autorisé la population à pénétrer dans l'enceinte du palais d'État, du jamais vu auparavant car le palais d'État est catégorisé zone rouge. Ce lieu est totalement interdit au public, mais aujourd'hui, et pour les festivités, la cour du palais est ouverte à la population qui est la bienvenue, a annoncé le président lors d'un bref bain de foule avant l'ouverture. Le président Andry Duil n'avait accueilli chaleureusement en personne aux portes du palais les premiers visiteurs, dont cette mère de famille et ses filles. À l'extérieur du palais, la foule s'entassait. Tout le monde voulait être parmi les premiers privilégiés à pouvoir prendre des photos du palais décoré. À l'entrée, le public se bousculait pour faire des selfies avec le président Andry Duil.
Les heureux visiteurs en extase prenaient ensuite des photos avec le Père Noël, avec pour décor l'incontournable crèche. Le joyau d'Antananarivo restera ouvert au public jusqu'au 1er janvier 2023 de 18h jusqu'à 23h. Et je vous disais également en titre, toutes les forces de défense et de sécurité défendent la Constitution, la souveraineté et le choix du peuple. Donc, elles soutiennent toutes les institutions de la République. Dans un traduit, le président élu par le peuple a déclaré ce jour le général de corps d'armée Richard Akoutnerin, ministre de la Défense nationale, en présence de ses homologues, le ministre de la Sécurité publique et le secrétaire d'État en charge de la Gendarmerie nationale à Ivat, lors d'une conférence de presse en marge de la cérémonie de remise aux étendards aux officiers généraux et amiraux promus en 2021. Le message a été clair et direct de sa part. Les forces de défense et de sécurité se dresseront contre les troubles et contre toute tentative de déstabilisation de la démocratie. Reportage sur le récit de Fernando Doni et sur les images d'Yves Rassat. Des forces de défense et de sécurité unies et faisons front commun, telles ont été l'image et le temps donné lors de la conférence de presse tenue au camp de général Mounibou Ismaël Aïvatou, une conférence de presse à laquelle le ministre de la Sécurité publique et le secrétaire d'État en charge de la Gendarmerie nationale ont assisté aux côtés du ministre de la Défense nationale. Les forces de défense et de sécurité se dresseront pour défendre jalousement la Constitution et le choix du peuple, a déclaré le général Richard Akoutnerin. Le président Andry Zouéline a été vainqueur des dernières élections, élu par la majorité dans le respect de la démocratie, a-t-il rappelé. Les forces de sécurité et de défense se rangent toujours du côté de la légalité, soit celui du président de la République consacré par le peuple. Ainsi, elles ont la responsabilité et la redevabilité de protéger ce choix du peuple et par ricochet, de protéger la personne du président élu par le peuple, Andry Zouéline, a tenu à préciser le ministre de la Défense nationale. Nous sommes tous derrière le président de la République pour apporter notre pierre à l'édifice du développement du pays, continue-t-il. Les tentatives de troubles et de déstabilisation se rencontrent, prévient le ministre. Zéro tolérance pour les fauteurs de troubles. Certains pays s'effondrent non pas à cause d'invasion, d'ennemis, venant de l'extérieur mais à cause d'actes de déstabilisation interne, a-t-il asséré. Les éléments des forces de défense et de sécurité ont guidé par le patriotisme envers Madagascar, a-t-il souligné. Les vacances de Noël et du Nouvel An pour cette année scolaire 2022-2023 débuteront le 24 décembre prochain et s'étaleront jusqu'au 8 janvier 2023. Les examens de cette semaine ont donc clôturé le deuxième bimestre de l'année scolaire. Pour certaines écoles, les vacances n'ont pas attendu la fin de la semaine mais ont débuté ce jour après la fin des cours. Les gares routières, quant à elles, sont déjà débordées par l'affluence des voyageurs à destination des provinces. Toutefois, des solutions alternatives ont déjà été mises en place pour faire face à la forte affluence des voyageurs en cette période des fêtes, d'après les explications. Reportage de Mamtina Ndjemboul et d'Omegara Nefton. Les élèves disposent de 2 semaines de pause en cette période des fêtes. En effet, ils ne retourneront sur les bancs de l'école que le 9 janvier 2023 pour entamer le troisième bimestre de l'année scolaire qui s'étalera jusqu'au 24 février 2023. Les vacances de Noël et du Nouvel An débuteront le 24 décembre prochain pour finir le 8 janvier 2023. D'après le calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale, les examens ont clôturé ce deuxième bimestre pour toutes les écoles, privées comme publiques. Toutefois, certaines écoles privées ont choisi d'arrêter les cours ce jour après avoir achevé les examens. Aussi, les élèves reviendront en classe quelques jours avant la date du retour indiquée dans le calendrier scolaire officiel pour des raisons organisationnelles d'après les explications. Ces élèves pourront donc partir en vacances avec un jour d'avance. Par ailleurs, les gares routières et les stationnements des taxis-brousses s'affichent pleins à quelques jours des fêtes. D'après ce responsable, plus d'une trentaine de taxis-brousses partent du stationnement à destination d'Antirabé chaque jour depuis le début de cette semaine, contre une vingtaine en période normale. La cadence s'accélérera dans les prochains jours
selon toujours les précisions. En effet, la majorité des familles ne partent en voyage qu'un ou deux jours avant les fêtes, engendrant souvent une forte affluence dans les stationnements et les gares routières. Des solutions alternatives sont déjà en place. Des chauffeurs supplémentaires sont appelés en renfort par les coopératives pour assurer la disponibilité des transports vers les zones régionales. Des mécaniciens effectueront également des permanences au stationnement pour réviser les voitures. Pour les voyages sur les routes nationales, les réservations sont fortement conseillées à des fins d'organisation des véhicules à utiliser, ajoute ce responsable. Et maintenant, place aux actualités internationales. Pendant les nuits, Kiev est plongée dans le noir et dans le froid à cause des bombardements russes. Les détails avec France 24. Sans grand espoir, quelques résidents viennent tenter leur chance à la fontaine à eau du quartier. En vain. Hier, on n'avait ni eau, ni chauffage, ni lumière. De 9h à 21h, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est depuis 8h du matin. Depuis le bombardement de la veille, le courant est de nouveau coupé et il n'y a pas d'issue. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas d'argent pour partir à l'étranger. Irina tient à nous emmener chez elle pour nous montrer dans quelles conditions elle vit. Retraitée, elle n'a pas les moyens d'acheter un générateur. Vous voyez, il n'y a pas de lumière. Tout l'immeuble fonctionne à l'électricité. Alors, tout se débranche. Le frigo est débranché, tout est en train de pourrir. Les radiateurs sont froids aussi. Touchez, vous allez voir. Par des températures négatives, les ouvriers de Ditec, la compagnie qui gère le réseau de distribution ukrainien, travaillent 24 heures sur 24 pour pallier l'urgence. Après 9 vagues de frappes contre les infrastructures énergétiques, le réseau du pays est endommagé à plus de 50%. Au siège de la société, le directeur nous explique qu'une frappe de plus et Kiev sera totalement hors circuit. La situation est vraiment critique. Comme vous pouvez le voir, à Kiev et sa région, après la dernière attaque de drones, ça fait déjà 2 jours que nous ne parvenons pas à stabiliser la situation. À la nuit tombée, en plus de la menace de nouveaux bombardements, quelques 3 millions d'habitants de Kiev doivent composer avec une capitale plongée dans l'obscurité. Les rues sont obscures et peu fréquentées. Nos téléphones n'ont plus de batterie. Il fait nuit tôt et quand on rentre de l'école à la maison, on a peur. Ce sont des bandes réfléchissantes pour que les voitures me voient quand je traverse la rue. Les Ukrainiens s'adaptent, mais leurs conditions de vie se durcissent de jour en jour. L'aide occidentale, disent-ils, est leur seul espoir face à un hiver de bombardements. Au terme de cette édition, je vous donne rendez-vous à 19h30 avec encore plus de détails et d'informations. Informations que vous pouvez suivre jusqu'au bout, que ce soit sur 100.2 FM, sur satellite, sur web radio, sur YouTube, sur Facebook, dans tout Madagascar et à l'international. Sur ce, très bonne soirée sur TV+ Madagascar.